master roaster. Yeah, 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 oh. Bassek Bekebio est l'invité. Les grandes victoires de la musique camerounaise, enquête exclusive. L'œuvre de Tom Yoms grâce au pinceau d'Harold. Kopo est dans ses mapanes avec Jean de Dieu Momo. Et tout de suite, nous vous emmenons dans les coulisses de fabrication du nouveau film de Franck Thierry Léa Mallet, L'accord. Backstage. Sa filmographie contribue à repousser les limites de la création. Garde ! Nous voyons au fil des années. Comment son travail se bonifie? Dans un de ses films, il redéfinit les angles de nos vies en dénonçant le phénomène des accidents de la route. Le monteur est encore bon, hein? Grâce à une audacieuse technique d'écriture des scénarios, il nous révèle un morceau choisi de l'immigration camerounaise. Son passé est tout aussi composé de deux autres courts-métrages. Point de vue. Tu nous fais pourquoi? Il a dit Dieu, pourquoi vous me brutalisez? Et mes vampires. Puis, il est arrivé le moment de traverser un cap en se risquant dans un long métrage salué par la critique. Reconnaissez-vous les faits? Non, je ne les reconnais pas. Il ne reconnaît pas les faits. Finalement, aucun de vous ne reconnaît les faits. Pour son deuxième long métrage, félicitations, fiston. C'est maintenant que la vie commence. 16 mois durant, nous avons suivi ce titulaire d'un master en art du spectacle et cinématographie de l'Université de Yaoundé 1 et ses équipes pour capter la mesure de son audace à la réalisation d'un film. Immersion dans les coulisses de fabrication de l'accord, le nouveau film de Franck Thierry Léa Mallet qui devrait mettre tout le monde d'accord. L'accord, un film de Franck Thierry Léa Mallet. Franck Thierry Léa Mallet l'a fait. Il a rempli le palais des congrès de Yaoundé. Jeudi 21 avril 2022, la sortie nationale du film L'accord est célébrée avec faste et solennité au cours d'une soirée d'avant-première organisée devant un parterre de personnalités et d'anonymes, visiblement tous d'accord. L'accord, le film qui nous verra tous. C'était un sentiment de fierté. Je suis très contente. Et j'étais bluffée. Il sait me surprendre. C'est vraiment un film original. C'est un film magnifique. Très très beau film. Vraiment magnifique. Ce film vraiment nous a donné espoir. Je suis très honoré. Nous sommes le 18 avril. C'est dans cette salle de l'IFC de Yaoundé que la production a choisi de présenter à la presse nationale le nouveau bébé. Sur le panel trié sur le volet, il y a le producteur-réalisateur Franck Thierry Léa Mallet, l'héroïne du film Vanessa Ambassa et le coproducteur Canal Plus International, représenté par Annick Fautier. Mars 2022. Nous sommes dans les bureaux de la production. Rentrés quelques jours plus tôt du pays des pharaons en Égypte, nous retrouvons Franck Thierry Léa Mallet, ravi et comblé du prix remporté. Très ému que un an et demi de travail puisse être apprécié déjà à l'extérieur. La semence de l'accord est plantée en novembre 2020, mais c'est en janvier 2021 que la production enclenche le mécanisme avec le lancement des appels à candidature pour les acteurs, professionnels et amateurs. La production a donné la possibilité à des jeunes étudiants et diplômés en communication, marketing et cinéma de se joindre à l'aventure avant de dévoiler la préaffiche du film réalisé par le jeune infographiste Fabrice Mani. Les profils recherchés pour les rôles à postuler seront ensuite rendus publics. La première phase de la pré-production s'achève sur 3 jours d'audition qui vont voir rivaliser d'adresse et défiler devant le jury des centaines de candidats en présentiel pour les Yaoundéens
et en ligne via l'application Zoom pour ceux qui résident hors de Yaoundé. Monsieur Mimoua, bonsoir. Ma femme est pas. Alors par contre, la caméra n'est pas très bonne. Est-ce qu'on peut arranger l'angle de la caméra pour qu'on puisse vous voir mieux? Comme ça, c'est mieux? Oui, c'est mieux. Je recommence le texte alors? Oui. Monsieur Mimoua. Deux semaines plus tard, on a les visages de l'accord. La deuxième phase de la pré-production intervient entre les mois d'avril, mai et juin 2021. Pendant 3 mois d'affilée, les comédiens retenus s'imprègnent du scénario qui leur donne un aspect général du film en pratiquant des séances de lecture à haute voix, un exercice qui a pour but de créer la rencontre entre les personnages du film qui vont se donner les répliques ou simplement partager l'écran. Des répétitions de texte, matinées des exercices de préparation physique. Par un après-midi ensoleillé, nous arrivons dans les bureaux de la prod. Nous avons notre traditionnelle réunion hebdomadaire de la production. Ça bosse dur. L'équipe évalue plusieurs aspects administratifs. Il y a ce serait d'avoir les partenaires qui apportent de l'argent. Cette semaine, on a les acteurs principaux. Après 20 minutes de réunion, les comédiens sont soumis à une séance de vocalise. Ce sont des exercices pour travailler l'articulation, la diction, parce que l'acteur, c'est sa voix. Et il faut se faire entendre et comprendre. La journée de travail s'achève pour une répétition de quelques scènes du film. Action! Ah, enfin! Même que ces 4 jours, je n'allais jamais faire. Quartier Biyemassi, au lieu d'y monter les sœurs, il est 5h03. À notre arrivée dans les locaux de Inception Arts & Com, c'est le branle-bas total d'un déménagement pour le premier site de tournage retenu. L'embarquement est immédiat. Tu vas prendre les images chez Yato. Hein, 6h33, c'est le départ. Une demi-heure dans la circulation très fluide à 7 heures de la journée. Nous arrivons à destination. Le débarquement est tout aussi effectué avec un caractère et une discipline militaire. C'est dans cette ville du lieu d'Iminkan, au quartier Oudza, à Yaoundé, que Franck-Thierry Léamalé et ses équipes prennent quartier pour une semaine de tournage. Le projet a environ 100 personnes. Inès Maël Pabo, responsable de la communication. Manuela Kamsu, je suis Eric Demtar, premier assistant réalisateur. Lucrèce Pepetune Thiam, je suis assistante comme. Benoît Ndi, assistant décorateur. Je suis Nathalie Proche, je suis la DOP. Josiane Tchuto, directrice de production. David Angemeli, second assistant réalisateur. La jeune Davila a le cœur à l'ouvrage. Là, je suis en train de distribuer les feuilles de service à chaque technicien et en fait tous les membres de l'équipe. Juste ton nom. Si les feuilles traînent par terre, ça sera un problème puisque avec ça, il va savoir qui a sali le décor. Pendant ce temps, chaque équipe se met en place. Dans la loge HMC, entendez habillage, maquillage et coiffure, le personnage d'Amelia Koum se fait bichonner. Moi, c'est Hélène Vaokoujaki Corinne. Je suis coiffeuse sur ce plateau. Il est toujours important d'avoir une coiffeuse parce qu'on est sur un tournage, on a tout, souvent les problèmes de raccord. Vous savez, parfois tu peux coiffer une femme et le lendemain, il faut tourner, il faut retourner. Donc, il faut absolument qu'elle ait la même coiffure. Elle contribue à la conception physique du personnage qui est décrit par le scénariste. Pour le film L'Accord, Franck-Thierry Léamalé a misé sur des jeunes et nouveaux talents camerounais pour tenir les premiers rôles. J'interprète le rôle d'Emilia. J'incarne le rôle de Sétékou. Après des mois d'intense préparation, ils vont enfin entrer en scène. À quelques minutes des premières prises, ils semblent plutôt confiants. On se sent bien parce que la préparation s'est bien passée, tant physique que mentale. J'ai assez, pas le contre, je ne viens pas.
un petit déj pour tous, des consignes disciplinaires. On a attendu 7 mois pour pouvoir tourner et qu'on n'a qu'un seul mois pour tourner et qu'on ne peut pas se permettre donc de perdre du temps. Que la discipline est de rigueur. Une minute consacrée à la prière. Nous prions. Seigneur Tout-Puissant, nous te dédions ce projet. Que la régie mette à la disposition un peu partout des sacs poubelles. Un retard à l'allumage dû au fait qu'il y a un matériel nécessaire pour la mise en image des premières scènes qui tarde à arriver. Il ne revient pas le matériel, elle le sait. Manuela choisit de rendre visite à Morphée. Le personnage de Cédric Koum, lui, se ressource avec une boisson chaude. C'est d'abord pour libérer les vocales. Quelques répétitions. Mais tu m'as dit que tu n'as pas de lit et je t'ai cru. C'est qui alors? Puis, c'est le tournage proprement dit. Le réalisateur contrôle les scènes dans les retours vidéo, tandis que la script prend les notes avec un œil sur un chronomètre. On va tourner. Silence plateau. Je veux pas voir les gens debout là-bas. C'est pas le son. Le point d'aller. Clap de début. 28 sur 1 première. L'importance du clap, le montage, ça sert à synchroniser le son et l'image. 8 jours à la suite, le tournage des scènes va s'enchaîner dans cette villa qui campe le décor de la maison de la famille Koum dans le film. Mais pourquoi tu dis que c'est de ta faute? C'est moi qui ai insisté pour qu'elle vienne. C'est moi qui ai organisé la fête. Silence plateau, rolling. 28 sur 1, deuxième. Ok, silence, plateau, rolling. Action, c'est bon. Ok. Comment faire un pick-up, s'il te plaît, juste au niveau de... Elle est déjà placée là. Quand tu veux prendre tes pas, prends ça avec énergie comme si tu arrachais. Ok, allons-y, on reprend. Action. Reine, quand tu prends le téléphone, regarde-le. Tu peux bouger. Ne bloque pas tes pieds. On reprend. Action. Regarde. C'est combien? C'est mieux. Le tournage a continué dans d'autres décors, même dans les rues des Yaoundé. Un deuxième, troisième. They will go left, you will just be in. Urban multi-tracks. Tu marches, tu fais comme ça là. Ouais, vas-y, magique. Vas-y, action. Nathalie, go forward. Go. Now I have that moment, please. Alors, 30 jours de tournage, quelles sont les principales difficultés? Je crois qu'on n'avait pas assez de temps. Je crois que c'était toujours un peu à la course contre la montre. Après la pré-production et le tournage, vient alors l'étape de la post-production. De retour dans les bureaux de Inception Arts & Com, nous tombons sur le monteur. Présentement, je suis en train de relier certains fichiers vidéo et son. Dans ce banc de montage, le temps n'est vraiment pas compté. La post-production va durer plusieurs semaines avec un travail qui se fait à la disponibilité physique. Le café est à côté, on ne regarde pas les heures. On travaille, on se sent un peu fatigué, on s'allonge et on vient encore pour continuer le travail.
ton propre gré. Tout à côté du monteur, c'est bien sûr la script. Elle ne se trouve pas là par hasard. Je suivais que ce qu'il a déjà monté soit fait de manière chronologique avec le scénario et les minutages qu'on a pris pendant le tournage et tout. Donc ça doit respecter exactement ce qu'on faisait. Si c'est 2 minutes la séquence, ça ne doit pas dépasser. Des raccords, un raccord. Ce que tu me demandes est impossible, mon enfant. Ils finissent par se mettre d'accord sur le PAD du long métrage L'accord, qui doit subir au final étalonnage et mixage. Le film L'accord, c'est des centaines d'heures de rush issues des 30 jours de tournage qui ont mobilisé une centaine de personnes, techniciens et personnages du film. Mesdames et messieurs, de ce moment depuis décembre 2020. C'est émouvant. So people! Yeah. We have the shot! No. We have the scene! No. We have the day! Cela méritait bien un accord parfait pour un clap de fin festif dans les bureaux d'Inception Art & Com. De la joie de cette famille, comme aime désigner son équipe Franck-Cyril et Amalé, il ne reste maintenant qu'à vous les cinéphiles de faire des raccords dans les salles de diffusion pour vous mettre simplement d'accord. Quel genre de mal? J'invite tous les Camerounais à regarder ce projet. Est-ce que tu vas me faire du mal? Le public veut de bons films. Le jeu d'acteur, la déco, le plan technique. Flora. Le film L'accord est un film qui nous a mis d'accord. Je veux savoir qui a fait du mal à mon enfant. Ça rend tout le Cameroun fier. J'ai besoin de haïr quelqu'un pour ça. Bravo Franck. Si c'est le diable qui fait le transport, tant pis. L'accord, un film de Franck-Thierry Léa Mallet. À présent, nous allons donner la place à une figure emblématique du cinéma camerounais et africain. Son histoire mérite d'être célébrée, mais surtout racontée. Nous l'accueillons ici même à l'espace du Musée national à Yaoundé, Cameroun. Monsieur Bassek Bakovio est l'invité exceptionnel de ce numéro exceptionnel de Yayato. Yayato, Bassek Bakovio. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous? Ça va. D'accord. On peut s'asseoir? D'accord, oui. Bassek Bakovio, c'est ceci. Toi, la femme au beau sein, presse-toi. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Bassek Bakovio, c'est aussi ceci. Vous pensez pouvoir m'amener tranquillement dans votre chambre, me citer? Bassek Bakovio, c'est encore ceci. Ça ne peut pas attendre la récréation ou la sortie des cours? Ici, c'est moi qui juge des opportunités. Vous êtes écrivain et cinéaste, mais c'est plus la casquette de réalisateur qui prend le dessus. Comment ça se fait? J'ai rêvé d'être écrivain. Mais en classe de 3e, je savais déjà qui était ce Ben Ousmane, je l'aimais déjà. Et je reçois pour prix de français, parce qu'il y avait des prix de français, hein, comme c'est... Ça me fait rigoler aujourd'hui qu'on dise qu'un Africain a un prix de français. Mais bon, pour prix de français, je reçois un livre de ce Ben Ousmane. Si on voulait parler à la majorité, on ne peut pas rester dans la littérature. Un livre, c'est 2000 exemplaires dans le meilleur des cas. Un film, si vous avez de la chance, c'est des millions de spectateurs. C'est comme ça que je décide de faire le cinéma. Mais quand je me mets à faire de la littérature, en classe de terminale, je n'ai jamais mis les pieds hors du Cameroun et je suis lauréat, l'un des 10 lauréats de la meilleure nouvelle de langue française. Donc rapidement, je suis édité en classe de terminale, que je passais au lycée Leclerc. Et je décide d'apprendre le cinéma. Et je commence à aller au ministère de la Culture, à Cameroun Actualité, au Prodic. Et c'est comme cela que le cinéma me prend. Les films de Bassek ont eu un retentissement plus fort que ses ouvrages. J'étais leader étudiantin. J'écrivais déjà mon premier livre, j'étais arrivé. Et surtout, j'étais aussi footballeur. J'ai fait du championnat de première division. Ah bon? J'espère que ça se voit. Hein. J'ai été footballeur de première division, j'ai été présélectionné dans la première équipe nationale junior du Cameroun. Sérieux? Si vous allez, voilà, vous allez dans les archives de la SOPECAM, d'accord, de Cameroun Tribune, vous verrez la première liste de l'équipe nationale de football du Cameroun de junior. J'y étais, mais c'était à 2 semaines du baccalauréat.
Oh. Et à ce moment, quelqu'un comme mon père m'a dit, tu choisis. Et donc, évidemment, nous sommes partis. Et donc, c'était pour vous dire que professionnellement, je ne peux pas vous dire quand j'ai commencé. Et puis, je me suis mis à faire des chroniques le dimanche midi, des chroniques culturelles, littéraires. Et je commençais déjà à travailler au ministère de la Culture, sans être du ministère de la Culture. Et quand je passe ma maîtrise, parce que ce n'était pas comme aujourd'hui, hein, je suis la dernière promotion où quand vous faisiez faculté des sciences ou faculté des lettres, quand vous aviez votre licence ou votre maîtrise, si vous vouliez enseigner au ministère de l'enseignement secondaire, vous étiez. La seule question qui restait, c'est on m'affecte où ? Mais vous étiez sûr d'être recruté. Vous comprenez ? Ouais. Et donc, moi je m'étais dit, si on m'affecte à un endroit qui ne me permet pas de continuer à faire du cinéma, à travailler, je vais refuser. Moi je l'admirais comme professeur de philosophie de mon frère aîné. Et puis je l'écoutais à la radio. Je l'ai connu sans l'avoir rencontré. Plus tard, quand je deviens adolescent, je réalise que le professeur de philosophie de mon frère aîné est comme dans la famille. On parlait de ce professeur libre d'esprit dans les années 82, ce n'était pas évident. Libre d'esprit, ça se voit d'ailleurs dans les émissions, à la radio Cœur du Neuf, où il décortiquait les œuvres littéraires. Oui, j'ai enseigné en terminale à partir de l'âge de 23 ans. J'avais des élèves de terminale et étant à l'université encore, c'est-à-dire il y a 21 ans, 22 ans, j'enseignais les élèves de première et terminale à Mongobéti. Donc j'avais des classes où des élèves étaient des aînés à moi. Mmh. N'est-ce pas? Je ne sais pas quel âge a le grand frère de Lazare, mais comme lui-même a pris sa retraite, Lazare, ça veut dire que son grand frère a un âge qui est presque le mien. Un jour, je vais aux impôts, je demande d'avoir un directeur des impôts, genre on me dit c'est le directeur. Je vois, quand je vois, il me dit prof, je regarde, c'est mon étudiant qui. Non, ça a été toujours quelque chose comme cela. Et j'étais très content. Et c'est peut-être aussi ça qui créait avec ces étudiants-là une espèce de complicité. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, être libre d'esprit, c'était pas rien. Vous savez, lorsqu'on n'a pas connu les portes 210 et 212 de la sûreté nationale du Cameroun, de la délégation de la sûreté, on n'a pas été militant dans ce pays. Eh bien, moi, c'était ma maison pendant une certaine période. 210, 212, je vous assure, où vous étiez convoqué. Au CNR, qui n'avait pas la même appellation à l'époque, j'ai été convoqué que deux ou trois fois. Mais à la sûreté nationale, à la porte 210, 212, j'y étais. Et une fois le dossier était assez grave, je n'ai jamais compris pourquoi est-ce que, alors que pour presque beaucoup moins que ça, des gens partaient et disparaissaient, puisque quand j'écris mon deuxième livre, je le dédie à un camarade qui est à Choliré depuis 6 ou 7 ans. Et c'est là où après, des années plus tard, que mon père me dit, j'avais promis de ne jamais te le dire, mais tu sais que le commissaire Bounche qui t'interrogeait, c'était mon ancien élève. Et il m'a dit, mais ton fils, je ne sais pas si je vais réussir à le sortir de là, mais c'est grâce à cela que je suis sorti là. Vous savez, on disparaissait pour presque rien. Waouh, à cette période-là. Oui, je vous parle des années, même dont a hérité aussi le président Biya quelque part. Mais je vous parle surtout des périodes d'Aïdjo, on disparaissait pour presque rien. Je suis presque l'un des rares à avoir des images des villes mortes au Cameroun. J'ai filmé les villes mortes, j'ai filmé la seule réunion de coordination qui soit fixée sur la pellicule, à Douala, n'est-ce pas? Et donc j'ai filmé tout ça. Entre-temps, je rencontre une très jolie femme, qui est ma camarade de classe, très bonne comédienne, et que nous faisons très vite notre premier fils. On fait très vite d'ailleurs nos trois enfants entre-temps, et qui vont faire de très de bonnes études aussi. On parle de qui? À Philomène. Okay. Philomène qui est la mère de mes premiers enfants, très grand professeur de philosophie, auteur de romans. Elle a écrit des romans, vous allez sur Internet, vous tapez Bassek Philomène, vous allez voir. En 1984, vous écrivez un recueil de nouvelles, Les eaux qui débordent. Les eaux qui débordent, par exemple, voilà le titre qui revient. C'est un personnage qui me marque. Oh, on a l'habitude de dire qu'on est marqué par Nelson Mandela, c'est vrai. Par le pape Jean-Paul II, c'est vrai également. Par tel ou tel grand auteur, c'est vrai. Mais lui aussi, parmi les créateurs camerounais, il m'a marqué sa manière de penser, sa manière de voir, parfois révolutionnaire. Parfois brutal. Le venin Bassek est plus présent dans ses écrits que dans ses films. Et donc, il faudrait avoir un certain recul pour pouvoir digérer ce que Bassek a écrit dans ses livres, qui apparaît également, qui transparaît dans ses films, mais de façon nettement moins virulente. Mais je suis totalement d'accord. Hein. En 1986, on va dire que ça va faire pratiquement 36 ans aujourd'hui, toujours aux éditions Armatan, vous nous offrez l'essai Le Cameroun, la fin du maquis.
Alors, je vous raconte ce que je veux dire. Je suis un habitué donc, du deuxième étage de la délégation de la sécurité nationale. On me menace de tous les maux. Et il y a quelqu'un qui arrive en 82, le président Biya, et qui a un discours différent. Mm-hmm. Il a dit, on n'a plus besoin de gagner le maquis pour dire la vérité. Mais comme c'est le début, parce qu'il est là depuis 4 ans, le président Biya, j'ai dit, la fin du maquis, point d'interrogation. Avant le film, vous écrivez le roman Sango Balo, le maître du canton, en 1991, aux éditions Toujours Armaton. C'est un bon livre, mais qui sort presque au moment du film. Et je crois que le film a un peu éclipsé le roman, bon, alors que moi je pensais qu'il allait le booster au contraire, mais c'est facile d'être 90 minutes devant un écran et de voir toute une histoire que d'avoir 300 pages en main. Le livre, il se comporte très bien. Okay. Il se comporte très bien et je crois que l'éditeur en était content. Vous travaillez comme assistant sur des documentaires produits par le ministère camerounais de la Culture et de l'Information. Quand j'étais étudiant en 78-79, j'allais au ministère faire travailler sur des tournages où je n'étais pas payé, où je partais à mes frais. Moi, j'ai appris le cinéma auprès de Mbalaboulou Léopold, qui était le fils du maire, l'ancien maire Mbalaboulou, n'est-ce pas? C'est lui qui m'a appris le cinéma. Il avait une auteur, il avait appris en France, il faisait son film. Nous préparions un film qui s'appelait Chocolat. Sautuc, à l'époque, c'était l'agence de transport dans la ville. Et puis, on appelait les femmes un peu légères des Sautuc, n'est-ce pas? Et donc, on préparait le film Sautuc, dans lequel j'ai beaucoup appris. On a fait un court-métrage ensemble, conseil d'administration, j'étais son assistant et tout le reste. Et donc, j'ai vraiment appris là. Après, bon, le cinéma, c'était aussi la technique à l'époque. Et donc, d'accompagner même les gens de Cameroun l'actualité sur les tournages, ça vous a peiné, la technique, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que je me suis fait sur le terrain. Et donc, quand Claire Denis arrive avec son père, elle a un scénario sur le Cameroun, Chocolat. Mais il y a des parties du scénario qui touchent, qui font parler, des comédiens camerounais. Ouais. Et donc, il faut la psychologie, il faut la manière de parler. Et je suis impliqué dans cela. Et donc, je prends une part assez importante. Et c'est comme ça que quand le tournage va commencer un ou deux ans plus tard, je suis plutôt dans l'équipe de l'assistant. Le front. Bombo. Bombo. Les yeux. Miso. Miso. Le nez. Pemba. Pemba. Alors, vous écoutez quoi actuellement comme musique? J'écoute beaucoup, mais ça, c'est au cœur de la nuit. Belga Toby. Belga Toby. Quand vous mettez un disque, un CD de Belga Toby à minuit, et que vous vous concentrez, vous écoutez les paroles, je me dis, mais comment on peut aimer Belga Toby si on ne comprend pas ça? Ça tombe bien, le sujet du focus va vous intéresser. Arrêtons-nous un moment pour savoir ou voir ce qui nous a rendu fiers de notre musique d'hier et aujourd'hui, les grandes victoires de la musique camerounaise, une enquête exclusive signée Alain Nagui et Sono, Christian Boidier, Kiki Ekwa et Alain Belsingan. André Maritala, au collège. Nos paradis perdus de notre patrimoine musical. C'est lui entretenu autrefois par ceux qui ont osé, comme Tala André Marie. Manu Dibango. Ces icônes, par leur génie créateur, ont écrit l'histoire de la musique camerounaise en la prédisposant à l'assaut des grandes victoires. Par victoire, je dirais toute action qui nous aura rendu fiers. Le Cameroun est une source intarissable de créativité. Nous pouvons inspirer le monde. La musique camerounaise est séduite et surprend hors de nos frontières. La preuve, elle a été plagiée. Le plagiat est flagrant. Parfois, simplement reprise. Elle a gagné des distinctions honorifiques quand elle ne prend pas d'assaut les salles de spectacle mythiques du monde. Aucune grande nation ne s'impose sur les chaînes de la planète si elle n'arrive pas à s'imposer culturellement. Notre musique est de grande qualité. Il y a seulement des personnes quelque part qui ont décidé de boycotter les musiques qui viennent du Cameroun.
Contre vents et marées, la musique camerounaise est une lionne indomptable qui gagne. Retour sur les grandes victoires de la musique camerounaise. Passer les vocations, on devient nostalgique. Il y a un jour, je pourrais te revoir. Mamako, Mamasa. Les plus de 30 ans vous disent, c'était la belle époque. À chacun son V comme vedette, V comme victoire. Les retombées d'une grande victoire de la musique camerounaise, c'est à Mendong 2, dans l'arrondissement d'Mfou, situé à la périphérie sud-est de la capitale Yaoundé, qu'on va les toucher du doigt. Ce samedi-là, c'est jour de fête chez les Zébéla et les préparatifs vont bon train. Ah, aujourd'hui, c'est ma fille aînée, Georgette, qui se marie. Après 30 ans d'une carrière militaire réussie et la jouissance des retombées d'une grande victoire issue du droit d'auteur, l'on ne peut être que fier de soi-même. Disque de platine en 2010 que nous avons eu avec Shakira. C'est chez Shakira et l'équipe qui avait soutenu l'album. Les amis, là, on remarque que vous êtes plutôt bien installé. Vous avez l'agent de Sony, de Shakira. Mais c'est vrai, on peut voir l'agent de Shakira aller s'installer dans un bar. Mais moi, j'ai pensé qu'il y a un lendemain, vous allez voir là-bas derrière, il y a des maisons beaucoup plus élevées. C'était juste après l'épisode Shakira. Oui, bien sûr. Ça, c'est le chemin aussi là. Hein. Toutes ces maisons derrière là. Le désormais patriarche Vogonkwe peut alors s'estimer heureux de vivre une retraite paisible. Je suis paisible, sauf que je commence à avoir les coups de maladie. Ah, c'est la dernière. Est-ce que vous avez appris ce qui s'est passé entre Shakira et votre papa? On disait, elle a repris le morceau de ton papa a reçu tant, ton papa a reçu tant. Ça va que international. Juin 2010, l'Afrique accueille pour la première fois une phase finale de Coupe du Monde de football et c'est en terre sud-africaine, chez Nelson Madiba Mandela, que la fête a lieu. Comme dans les éditions précédentes, la compétition se dote d'un hymne officiel. La chanson produite par Sony Music est chantée par Shakira. Dans le refrain, il y a comme un air de déjà entendu. Aucun doute là-dessus. C'est bel et bien le refrain de la célèbre chanson Zangalewa, publiée en 1986. Un titre extrait du tout premier album du groupe formé, à l'époque, par des membres actifs de la garde présidentielle camerounaise, appelés les Golden Sons, avant d'être rebaptisés les Zangalewa, grâce au succès de la dite chanson. Vraiment, ça nous a fait un plaisir. Zangalewa fait l'objet d'un plagiat. 12 ans après, Jean-Paul Zébéla se souvient. C'est une journée qu'on n'oublie pas. J'étais à la retraite, je venais de prendre ma retraite, essentiellement vers les minuit. Et pendant, on va attendre le téléphone sonner. Je réponds. Quelqu'un me dit d'Allemagne. Mes félicitations, monsieur Zébéla. Monsieur, une félicitation. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, votre chanson a été interprétée par Shakira pour la Coupe du Monde. J'ai dit, non, vous voulez vous moquer de moi? Personne ne m'a contacté pour un truc de ce genre. Il me dit, c'est moi qui me dis, ici en Allemagne. Et après, il me dit, bon, est-ce qu'il peut trouver un avocat pour moi? J'ai dit, un avocat même pour quoi?
même si c'était pour rien, si c'est vrai, même si c'était pour rien, j'allais accepter. Parce que c'est une autre dimension, la Coupe du Monde déjà. Et en plus, Shakira qui interprète notre chanson. Vous aurez beaucoup d'argent, Zébé. Bien que diminué par la maladie, Jean-Paul Zébéla vit paisiblement sa retraite. Partagé entre fierté et surprise, il nous raconte comment on est arrivé à l'impensable rapport Shakira, Zangalewa, Coupe du Monde. Elle dit qu'elle ne peut pas. Elle ne peut pas chanter en Afrique. À moins qu'elle interprète. C'est comme ça qu'on la voit dans le prospecteur en Afrique, dans la liste des prospecteurs. C'est Shakira qui choisit Zangalewa. Ils avaient besoin de faire une chanson pour la Coupe du Monde en Afrique et il fallait un timbre africain. C'est pour ça que nous sommes retrouvés là. C'est une joie pour le Cameroun. Le paiement s'est-il fait tout de suite? La Coupe du Monde a eu lieu en juin 2010. On a été payé le premier traite en septembre. Depuis ce temps-là, ils nous payent. Donc, après 3 mois, nous avons... C'est indiscret de savoir combien vous payez tous les 3 mois? Non. Mais ce n'est plus la même chose qu'au mois de septembre. Ça diminue aussi. Et ce sera comme ça toute votre vie? Tant que le disque vit. Les retombées du succès de la reprise de la chanson Zangalewa n'ont pas fait que des heureux. Certains membres du groupe affirment ne rien percevoir. Et pour la première fois devant un micro, Jean-Paul Zébéla tient à faire la lumière sur ce qui se présente comme un imbroglio. Dans le groupe, il y avait les animateurs. C'est ce qui s'est passé. Il y a des gens là-dedans qui n'ont pas intervenu dans Zangalewa, mais qui voulaient avoir comme Zébéla. Dans le rayon des plagiats et autres reprises, il y a ceci. Une création du chanteur et saxophoniste Manu Dibango que l'on retrouve dans 2 tubes de la musique pop, Wannabe Starting Something de Michael Jackson et Don't Stop the Music de Rihanna. Manu Dibango, c'est une très belle victoire. Et je pense qu'on ne l'a pas suffisamment célébré. Si on pique dans ce que vous faites, c'est que ce que vous avez fait a de la valeur. L'histoire de cette phrase musicale est devenue celle des plus grandes affaires de plagiat de l'histoire de la musique moderne. C'est une face B du disque officiel de la Coupe d'Afrique des Nations de 1972, qui se retrouve repris par Michael Jackson. Sans que Manu soit cité comme étant l'auteur-compositeur de la chanson. Manu le découvre de façon tout à fait fortuite. Il va donc intenter un procès qui va aboutir à, entre guillemets, une réparation symbolique. Pour avoir posé la question à Manu lui-même, le montant, semble-t-il, était assez modeste. Ce n'était pas les milliards ou les millions de dollars que l'anecdotique a bien voulu lui attribuer. Rihanna et sa maison de production posaient ne pas être au courant du procès Manu Michael Jackson et pensaient avoir simplement repris une chanson de Michael Jackson. C'est assez gros comme explication, mais de toute manière, l'erreur a été corrigée et Manu a été cité par la suite comme étant l'auteur. Entre autres harmonies camerounaises mises au goût du monde, c'est celle créée par Tala André Marie. En 1973, son titre Hot Cookie est plagié par le godfather de la soul music en personne, James Brown. Sur son titre Hustle, extrait de l'album édité par Polydor en 1975. James, dans la chanson, il le dit exactement, il dit le cookie show. Comme dans la chanson de Tala. Ça a donné ce que ça a donné. Je ne sais pas comment Tala André s'est battu. Mais une fois de plus, ça prouve que vous avez dans ce pays du bon. Et pas seulement du bon, vous avez du très bon. Parce que James Brown n'est pas n'importe qui. C'était les rares à provoquer
les embouteillages aux États-Unis quand on apprenait qu'ils sont en train de passer quelque part. Tout serait parti de ce qui s'appelait à l'époque le cinéma Le Vouri à Douala, où James Brown produisait et où le jeune André Marie Talla, de passage, lui aurait glissé la maquette d'une de ses chansons de façon tout à fait naïve. C'est une pratique très courante dans les milieux artistiques et il espérait que James Brown l'écoute et... Il avait certainement la naïve jouissance du jeune artiste qui sera écouté par un grand qui pourra lui donner son avis plus tard. Sauf que, rentré aux États-Unis, James Brown va piquer quelques extraits de Hot Cookie. Hot Cookie, c'est le travail de Manu, c'est les arrangements de Manu. Avec les Vicky, dis-moi là-bas, c'est des hyper grands musiciens. Ce n'est pas le fait du hasard si on va plagier ce qu'ils font. Ces droits ont été établis, mais à ma connaissance, il n'y a pas eu de procès. Donc, il faut que Christian Colomb reste calme. Parce que nous aussi, on a André Marie Talla qui est arrivé là-bas, qui a fait. Tu vois, on a Manu Dibango qui est arrivé à conquérir l'Amérique. De grandes victoires qui en appellent d'autres comme être à l'affiche des mythiques salles de spectacle du monde. 14 septembre 2014, Paris, dans le 9e arrondissement. Sur le fronton de l'Olympia Bruno Cocatrix s'affiche fièrement X-Malea. Ce soir-là, à guichet fermé, se produit un jeune groupe camerounais. 8 ans après, Roger Samnik se souvient encore. Lorsqu'on préparait le truc, personne n'y croyait. Je vous jure que personne n'y croyait. Ah non, vous ne pouvez pas, machin. Même des artistes qui ont fait ça après. Non, vous ne pouvez pas, comment vous allez faire? Nous, on est ici depuis, on ne tente même pas ça. Vous avez le gros cœur. Mais après ça, tout le monde s'est dit, ah, donc c'est possible. Et ça, c'est la plus grosse victoire. C'est-à-dire que décomplexer, savoir qu'on peut quitter de Yaoundé et aller remplir en Olympia Paris. Mais nous venons des Kounou dans la poussière ici là. Partir faire cette Olympia là, c'était c'est magique. Alors nous sommes allés en salle à 9h, c'est à 9h le matin, dans les loges. Parce que vous savez, les Watts ne veulent pas les incidents, les retards là. Ils préfèrent t'avoir là à côté que tu restes là tout ce que tu veux. Bon, petite anecdote, j'avais commandé les prunes. Avec le manioc. Et ils sont allés à Château Rouge, ils ont fait les prunes. Comme je sais, je vous promets, ils m'ont posé là, tout ce que tu veux, tu es là. Donc nous sommes arrivés à 9h. Et à 17h, lorsque le producteur du concert arrive et nous dit que la salle est déjà prête. C'était déjà, franchement, c'était une victoire. Scène de presse, c'est Rachel Malongo qui était envoyée spéciale. Et à scène de presse, on lui demande, alors, est-ce que les Somaliens ont rempli cette Olympia? Elle lui dit, oui, la salle est comme. C'était. Déjà là, c'était déjà bon. Et après, maintenant, lorsqu'on annonce X-Malea, tu imagines le public, waouh. Et quand on arrive, on surprend tout le monde, on exécute l'hymne national, tout le monde est debout. Quand on a chanté l'hymne, c'était comme un match de Lyon. On pouvait descendre de scène, on pouvait partir, tout le monde allait être satisfait. C'était une grosse victoire. On a honoré le Cameroun. Il fallait mûrir l'idée depuis 2012. Et vous avez vu que c'est finalement en 2014 que ça s'est réalisé. Torpedo Bertrand, c'est un ami. Et lorsqu'on a eu l'idée de faire le concert, on l'a contacté parce que lui, il avait une licence et lui, il l'avait déjà fait. Pourquoi on essaye d'organiser ça? Et pendant ces 2 ans, c'était des répétitions, c'était des voyages. C'est-à-dire qu'ils venaient avec les producteurs, les ingé son, ils venaient au Cameroun, ils regardaient les répétitions, on développait les idées. Et lorsque le concert approchait, on a vu la liste des invités, il y avait Samuel comme invité. Et ensemble, on a réfléchi sur un scénario où on irait à Milan à filmer Samuel, qui nous sera au Cameroun, nous nous appellerait. En soi, c'est une victoire. En soi, c'est une bonne chose, parce que vous savez, l'Olympia, pour les musiciens d'Afrique noire, et notamment d'Afrique centrale, c'est un peu comme une espèce de consécration. C'est un groupe que je connais, que j'ai vu grandir, et les voir atteindre ce sommet-là, c'était un grand moment pour moi. Mais une victoire, je pense qu'ils auraient mérité une plus belle victoire, c'est avoir une grosse carrière à l'international, hors de la communauté. Le spectacle de X-Malea à l'international a été soutenu financièrement par
de très grandes personnalités de la République. Il faut dire également que cela ne s'est pas fait au hasard. Cela arrivait à un moment où le groupe ex-maléen lui-même atteignait ce qu'on peut appeler son apogée. Donc c'est une consécration. Bon, maintenant, aller à l'Olympia ne veut pas dire que votre carrière est finie. Comme Anne-Marie Ndié, la première Camerounaise à chanter à l'Olympia dans les années 50, Manu Dibango, Tala André-Marie, Sampan Thomas. Septembre 2021, le rappeur engagé Valsero a eu son zénith. Manager d'artiste et patron d'un label de musique, Tafis était dans les coulisses du zénith de Paris ce soir-là. Il se souvient. Je l'ai vu stressé à vouloir démontrer ou montrer ce qu'il est capable de faire. La première fois qu'un artiste camerounais ayant fait carrière au Cameroun, qui arrive à faire le zénith de Paris en son propre nom, seul, c'était une grande première historique qu'il fallait vivre, qu'il fallait voir. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est est-ce que c'était artistique? J'ai juste la déception que ce ne fut pas un moment d'art. Mais ce fut un meeting, ce fut de la politique. C'est... Mais ça a le mérite d'avoir existé. Il s'agissait d'abord de musique. Dans 50 ans, MRC ou pas, l'on se souviendra que c'était Valsero au Zénith. Il va se faire adoubé ou accompagné, vous prendrez ce que vous voulez sur scène par Richard Bonnat. Est-ce que ça fait plaisir de vous voir ce soir? Reste pour ce... Ils sont tous très pro-MRC, ils font ce qu'ils veulent, hein, cela dit. Et ça peut, ceci pouvant donc expliquer cela. Mais je pense que pour Valsero, c'est aussi une victoire. Autre grande victoire, c'est les récompenses. Bon nombre de prix ont été remportés par les artistes camerounais à l'échelle mondiale. Parmi les plus prestigieux, il y a Wes Madiko. Il est le tout premier artiste africain à décrocher deux disques de diamant. C'est un disque de diamant. En France, puis en Allemagne, avec son album Wellinga, vendu près de 4 millions d'exemplaires. Un single extrait du même album, le très tubesque, Alan, sera vendu, lui, à 10 millions d'exemplaires, devenant ainsi la 18e meilleure vente des singles de tous les temps en France. Ça n'a rien apporté à la musique camerounaise. On ne sera pas très dur avec nous-mêmes en disant que ça ne nous a rien rapporté. Il était camerounais. Et donc, quand on... Et il assumait sa camerounité. Et donc, oui, lorsque il recevait un disque d'or, un disque de platine, oui, il y a cette espèce de jouissance par procuration. Ici, en Afrique, notamment au Cameroun, on ne l'a peut-être pas senti. En Europe, c'était une déferlante incroyable. Autre glorieuse victoire issue des prix SACEM, le disque de diamant reçu par Mouta Mouigna et Kambi Brian pour l'album Africa Umba, vendu 4 millions d'exemplaires. Et Longhi, le titre phare, a été d'ailleurs repris par plusieurs artistes africains et européens. Catapulté depuis les bords du Vouri, Franco a conquis le monde avec son single Coller la Petite. Certifié disque d'or en France pour 75 000 copies écoulées avec un cumul de 10 millions de streams. La gloire du Cameroun et maintenant aussi des prix SACEM gagnés par Francis Bébé. Petit Madame de Jojo Ngalais. Te revoir, Delvis Kemayo. Beaucoup plus récent, Stanley Eno est le premier artiste camerounais en 2014 et 2015 à être nommé et gagner un MTV Africa Awards. This is the very first time that Cameroon is nominated for this event. Le Cameroun a aussi imprimé sa marque dans les prix RFI Musique, remportés tour à tour par Yolande Ambiana en 1988, Kokombasi en 1996, Sali Nyolo en 1997, puis le groupe Makaz en 2001. Serge Maboma, leader du premier groupe camerounais à signer en major, se souvient. Et alors on était en répétition, on décide d'aller à la pause. Un coup de fil sonne, ouais, bonjour, c'est le groupe Makaz, ouais. Alors ici Radio France Internationale, ok. Nous vous prévenons que dans quelques minutes, vous allez être déclaré vainqueur, lauréat du prix RFI. On a couru
Même les malades du Carrefour Bassos jusqu'ici derrière l'usine. On a gagné, on a gagné, on a gagné, on est champion d'Afrique. Moi, je disais, mais champion du monde, tu m'étonnes. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en fait, ils n'ont jamais pu prendre ce prix. Un concert à faire à Tananarive. Et puis après, vous rentrez de là, vous avez un concert à faire au Bataclan. Premier groupe camerounais, résident Cameroun, signé en major. Richard Bonacci réalisait un autre album. Malheureusement, la belle histoire a pris une ampleur dramatique. Une ampleur dramatique parce que notre producteur, celui le monsieur Sam Mende qui avait produit notre premier album, a contacté RFI et puis a décidé de dire qu'il y avait des problèmes. Quoi. Pathétique. Ça, c'est un épisode douloureux de la vie de Makaz dont je n'ai plus tellement envie de parler. Souvenez-vous des têtes brûlées. Le groupe créé par Jean-Marie Aranda et porté par Zanzibar. Ils ont électrisé les foules avec leur Bikutsi Rock dans une tournée mondiale qui les a amenés en Afrique, en Europe, en Amérique et au Japon dans les années 80. Laquelle tournée d'ailleurs a été sanctionnée par un film documentaire. C'était effectivement quelque chose de très grand qui, à ma connaissance, n'a été réédité par aucun autre groupe. Ça commençait à peine que ça s'est arrêté. Les têtes brûlées se sont disloquées moins de 5 ans après cette tournée. Du Bikutsi toujours est venue la renaissance créative de l'Américain Paul Simon. Avec la complicité de nos compatriotes Vincent Guini, Georges Seba, André Manga, Charlotte Mbango, Catherine et Lolongue Mbango, il a mis les rythmes de la forêt au goût de la planète en 1990 dans la chanson Pouf, tirée de l'album The Rhythm of the Saints. C'est bon que c'est une fierté. Le Cameroun honoré par son gisement sonore, c'est de voir le titre Sela Sela de Wes Madiko, désigné chanson officielle de la CAN 2013 en Afrique du Sud. La chanson Magné de Loco, choisie pour figurer dans la bande originale du film Un prince à New York 2, Coming to Africa. Wes Madiko, encore lui, avec son titre Inyupendi, utilisé pour le générique de fin du film Le Roi Lion 2, l'honneur de la tribu. Et aussi, Salah Ciel, invité dans le projet The Gift, la bande originale du film d'animation éponyme de Disney, orchestré par Beyoncé. La grâce, c'est aussi d'avoir vécu la saga Africa de Yannick Noah, scandée devant un millier de personnes en délire sur le cours central de Roland-Garros. Saga Africa, ambiance de la blues. Autant de victoires, mais avons-nous capitalisé les acquis? La victoire de Franco, ça a apporté quoi à la musique à mon avis? Bon, à lui-même, ça lui a apporté quoi? Franco collait la petite. Oui, mais j'ai envie de dire que qu'est-ce qui colle aujourd'hui? Il a eu ce succès. Ok, d'accord, magnifique. Il a tourné. Et après, partant du Cameroun, l'artiste, le seul artiste qui a franchi le vrai cap, c'est Franco. Alors tu ne peux pas arriver à ce niveau-là et un État te regarde comme ça. Non, c'est plus sa part. J'entends les gens qui parlent, mais il a fait sa part, il est déjà là. Partout ailleurs, quand tu es déjà là, on fait tout pour que tu restes là. Maintenant, la politique veut que, comme le petit là est là, il doit être un modèle pour tous les petits qui sont ici, pour dire que vous aussi, vous pouvez arriver au top. C'est ce que les autres font. Mais si on te regarde tout seul, te débrouiller, et quand finalement, ça ronronne et ça tombe, c'est le même qui disent que, ah, mais pourquoi tu es pas... Mais pourquoi on reste là, mes amis? Je vous dis pourquoi on reste là, pourquoi un artiste met long? Des fois, tu rencontres un grand frère qui te dit, mais pourquoi tel met long? Mais tel met long, parce qu'il est dans un contexte où tout est fait pour qu'il mette long. Yohann Dambienne aujourd'hui, bien malin, qui pourrait me dire ce qu'elle est devenue. Pourtant, elle a gagné le prix RFI. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont au top là soient les meilleurs chanteurs du monde. Non, c'est rien. C'est juste que derrière, lorsqu'il y a des choses comme ça, lorsqu'on a Ex-Malia à l'Olympia, et le ministère du Tourisme, et le ministère de ceci, pas pour Ex-Malia, mais pour le pays, doivent, c'est une brèche, s'engouffrer dans la brèche, ouvrir pour que les autres suivent. Mais ça ne se passe jamais. Tu fais des choses, ça arrive là, après tout le monde regarde ça. C'est comme une volonté de voir les choses retomber. C'est un peu ma déception. Le Cameroun peine à reconnaître le mérite de ses fils. Nous n'avons toujours pas, des années après sa mort, nous n'avons toujours pas d'avenue Manu Dibango, nous n'avons toujours pas de statue Manu Dibango, nous n'avons pas de lycée Mongobeti, nous n'avons pas d'amphithéâtre Maurice Kamto, et cela n'a rien de politique de dire cela.
nous polémiquons sur le stade Japoma ou Roger Mila. Alors oui, le Cameroun peine à reconnaître ceux de ses fils qui sont valeureux et qui lui ont apporté de la reconnaissance à l'international. Les recettes de la reconquête sont multiples et à portée de main. Le Cameroun est un pays incroyablement riche qui pourrait rééditer ses exploits encore et encore à la seule condition que les choses se structurent. Si nous n'avons pas le rayonnement international, c'est parce que les Camerounais refusent de nous le donner. La malveillance fait partie intégrante de l'ADN des Camerounais de ces derniers temps. Vous refusez de faire en sorte que des gens ici de chez vous brillent. Savoir les bonnes personnes autour de vous. L'âge d'or de la musique camerounaise à l'international vaut son pesant d'or. À la jeune génération de conquérir d'autres grandes victoires afin que brille partout dans le monde le vert ou jaune. Nasser Bakobio, quelles sont pour vous jusqu'ici les plus grandes victoires de la musique camerounaise? Oh, il y en a beaucoup. Mais là, vous avez parlé de trois musiciens avec qui j'ai des rapports personnels. J'ai fait un documentaire excellent, que je trouve excellent, hein. Jeanne-Marie Zier, qui est passée une seule fois à la CRTV quand elle est décédée, mais qui est très très beau, comme je suis parti chez elle. C'était un documentaire que je voulais faire sur sa vie comme ça, parce qu'elle m'intriguait, elle me subjuguait. Je chanterai jusqu'à la mort. Manu Dibango a fait la musique de mon film Le silence de la forêt, et puis on a été très amis parce que j'ai fait tout un gros documentaire sur Manu, produit par un Hollandais. Mais un jour, ça s'est mal passé, il a pris toutes les bobines, on les a cassées, mais ça, je ne vous raconterai pas. Quand André Marie, on était liés dernièrement, lorsqu'on finissait les 25 ans des écrans noirs, un partenaire offrait un déjeuner et m'a dit de choisir une vingtaine d'artistes que j'aimais à côté de moi. Quand André Marie était là, la première fois que je me dis qu'un Camerounais peut faire une musique dans un film camerounais, c'était le film, n'est-ce pas, de Daniel Kamwa, n'est-ce pas, avec la musique de Talent de Marie. Dis donc, tu me disais tout à l'heure de penser à nous trouver une femme. Est-ce que toi-même tu penses à prendre un nouveau mari? Parlons de vos victoires, à vous. En 1987, vous étiez assistant du film de Claire Denis qui a été tourné au Cameroun, Chocolat. Frottez, va chercher le pick-up. Deux ans plus tard, en 89, vous réalisez votre premier court-métrage, film documentaire. Je suis au ministère et le ministère organise le premier festival des arts de la culture. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre une petite caméra, vous faites votre film. À l'époque, c'était du 16 ou du 35 mm, ça veut dire que c'était un investissement. Pour que vous ayez la chance, déjà, de regarder à travers le viseur, n'est-ce pas, de la caméra, c'était déjà une chance inouïe. Mais pouvoir faire un court-métrage, c'était lui. Et donc, le ministère de la culture qui organisait son premier festival des arts du Cameroun. C'était le ministre Henri Bandolo à l'époque. Je lui ai dit, je fais le film, et il a dit, ok, tu y vas. Et j'avais fait mon premier court-métrage qui était Festin. En 1991, le premier film, Sangomalo, dont le roman porte le même titre. Sangomalo qui parle d'un instituteur qui est arrivé à l'école et parle de sexualité et de politique. Tous mes films parlent de l'école. Qui nous rappelle ce que c'est que la politique? À peine arrivé, il déclenche les hostilités. Je venais d'entrer, de commencer le métier, quand j'ai joué Bête à la folle et tout. Et on m'a sollicité pour Sangomalo, qui a été tourné à l'Ibamzip. Quand je suis arrivé, j'ai vu l'homme au béret, toujours. On m'a dit, voilà le réalisateur de Sangomalo, qui est Basek Bakobio. J'ai fait la même chose quand j'ai fait Le silence de la forêt. C'est un intellectuel qui rentre et qui pense qu'il va aller chez les pygmées leur apprendre à vivre. Le grand Balambané, c'est un petit qui grandit auprès de son père et du patron de son père qui est Albert Schweitzer, qui voit ce blanc-là et qui se dit, je serai docteur comme toi. Et Albert Schweitzer lui dit, ah non, non, tu peux être infirmier, mais pas docteur. Pas et lui, il va se battre pour être docteur. Ce magnifique film obtient en 1992 le prix du public à Milan, en Italie, lors du deuxième festival africain. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est surtout de ce prix-là qu'on parle. J'en ai eu plusieurs, mais on parle beaucoup plus de prix à Milan. On a eu quoi? J'ai eu la mention déjà à Ouagadougou. Oui. La mention. On est en quelle année? En 92 ou 91, je crois. Oui. Ce festival a eu lieu en 91-92. Et puis j'ai eu... oui, donc c'est ça. Mais c'était un film assez...
Parce que d'habitude, les gens retiennent aussi lorsque le film a de l'argent. N'est-ce pas, ce film, c'était en Italie. Le sponsor, c'était à l'époque une grosse compagnie pétrolière qui s'appelait Agip. Mm-hmm. Les prix étaient consistants. Vous avez eu combien? Oh, je ne me souviens pas, mais ça m'a permis d'acheter un bout de terrain quelque part. Ouais. Un an plus tard, en 1991, vous fondez une société de production terrafricaine. Qui a été et qui demeure l'une des plus grandes sociétés de production et des plus anciennes en Afrique. Ok. En 1997, comment et pourquoi vous créez le festival Écran Noir? Au cinéma Abia, on me dit oui, quand vous allez rentrer, on va passer le film, on montera deux fois et puis si ça marche, parce que les salles étaient conçues pour les films américains, les films même européens n'y entraient pas, les films. Donc je vais au Vietnam, on montre mon film, il y a un succès, il y a un truc, et je me dis mais c'est pas possible. Comment on peut me dire qu'une femme quitte de chez elle avec son enfant au Vietnam pour venir voir mon film et elle sort contente, vient me féliciter, et moi au Cameroun, personne n'est alors que j'ai bouffé autant d'argent pour faire un film. C'était pas l'argent du Cameroun, d'accord, mais j'ai mis beaucoup d'argent dans ce film et on le montre partout. Et puis la pire des choses, c'est que pour que le film ait un standard international, j'ai fait le film en Dolby Stéréo, mais aucune salle de Dolby Stéréo en Afrique centrale, aucune. Bon, à un moment, Alphonse Béni avait une salle à Douala, il faisait la publicité en disant Dolby Stéréo. Mmh. Mais non, il n'y a pas eu de film de Dolby Stéréo à Douala à l'époque. Donc il n'y en avait aucune. Alors je me dis, mais est-ce que nous avons le droit de faire des films aussi onéreux, aussi chics, pour notre seul plaisir? C'est là où j'ai dit, je vais faire en sorte que les autres voient nos films. Et dès que je reviens de Ouagadougou, j'ai fait venir Roger Nyambala, qui a gagné le prix à Ouaga avec Au nom du Christ. Mmh. Et c'est le premier film que nous passons aux écrans noirs. Alors, aujourd'hui, les écrans noirs, après pratiquement, on est à 25 ans. Alors, est-ce qu'il y a des fiertés, des regrets, des espoirs? Bon, s'il n'y avait pas de regrets, c'est qu'on n'a rien fait. Pour qu'on ait fait des choses, il y a forcément des regrets. Mm. Mais la fierté d'avoir fait cela. 25 ans, sans sauter une seule année, malgré les conditions parfois difficiles, la période la plus difficile étant celle où je passe d'un financement 100% européen à un financement qui est plus local, plus national, plus truc. Ça a été assez dur. Non, non, il y a une grande fierté. Mmh. Et je crois que, honnêtement, là, quand vous me parlez même des regrets, je n'en vois pas immédiatement, alors qu'il y en a plein. Aujourd'hui, j'ai des jeunes qui ont fait la formation chez moi, qui sont devenus des cinéastes qui comptent. J'ai grandi à les écrans noirs. Mes deux premiers films ont été diffusés aux écrans noirs. Et l'expérience 10 jours pour un film que j'ai faite grâce aux écrans noirs a eu un grand impact dans ma carrière. Nous n'étions pas prêts à quelques jours de l'événement et je voyais M. Bassek là, tout zen, tranquille. En fait, il ne stressait pas, il n'avait aucun problème. C'est comme si ça ne le concerne pas et que ça ne devait même jamais le concerner. Et un jour, j'ai allé le voir, je lui ai dit, mais M. Bassek, pourquoi ai-je l'impression que j'aime votre affaire plus que vous? Il s'est mis à lui, il me dit, Maï, vous allez grandir, vous allez comprendre certaines choses. On ne stresse pas. À minuit, qu'il vous appelle pour vous demander des comptes rendus sur un travail que vous êtes en train de faire. Combien de personnes aujourd'hui travaillent avec vous sur le festival Écran? En permanence, j'ai 14 personnes. En permanence, 14 personnes. Oui. Mais quand le festival arrive, on a près de 100 personnes qui travaillent sur un film. Vous ne vous êtes jamais découragé. Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous avez une fierté à défendre. Et que, quitte à prendre de ce que vous réserviez, n'est-ce pas, pour vos enfants, il faut faire continuer. Mm. Et puis vous avez des amis. Je travaille avec des gens pour lesquels, politiquement, on ne s'est pas du même bord. Mais comment vous expliquer que depuis 20 ans, je sois 6 amis, je m'entends si bien avec mon président du conseil d'administration, Grégoire Ohona? C'est des gens ouverts, Mekounou très ouvert. Je n'ai pas attendu qu'il soit à la caisse. Bah, lui, il était à la Niété, il nous a fait venir pour travailler, n'est-ce pas, là-bas, pour montrer des films aux paysans. Là. C'est tous ces gens-là qui font, et puis d'autres dont je ne donnerai pas les noms, mais qui ont été des positions. Quand vous avez, comme ministre des Finances, quelqu'un qui vous écoute, qui a été votre camarade en fac. Il a mis en contribution son carnet d'adresse. Il serait peut-être intéressant que d'autres forces vives du pays mettent la main à la pâte. Il a fallu un déclic aussi. Lorsqu'en 2016, le président de la République
reconnaît l'association Écran Noir d'utilité publique. D'utilité publique. Ça ne veut pas dire qu'on vous ouvre une caisse, mais ça donne des facilités. Et Bassek était la première personne à valoriser le cinéma. On espère quand même que ce sera comme le FESPACO un jour. Le FESPACO est certainement deux ou trois dimensions au-dessus des écrans noirs. Mais les écrans noirs ont le mérite d'exister dans un domaine, je ne dirais pas marginal, mais très souvent périphérique comme le cinéma. Bassek a réussi le challenge de mettre sur pied et d'animer dans la continuité un festival qui tient la route et qui est devenu un carrefour. Le sous-préfet, le préfet, les administrateurs, quand ils viennent, ils d'abord viennent en retard. Il faut qu'on les attende, ils occupent les premières places. Écran Noir a besoin de se réinventer. Écran Noir a besoin de capter cette nouvelle génération de cinéastes. Me comparer au FESPACO, c'est faire fausse route. Okay. Le FESPACO est une institution d'État. Où le directeur général est nommé par l'État tous les 3 ou 4 ans, où le conseil d'administration est plein d'Européens, où c'est pas la même chose. Je suis dans une opération d'indépendance intellectuelle, financière et je suis très content de devoir ce que je dois aujourd'hui plus à mon pays qu'à des financements extérieurs. Vous comprenez? Donc c'est une philosophie. Ça dit qu'on m'a dit, mais est-ce que vous accepteriez de céder Écran Noir à l'État? La formule que nous allons, vers laquelle nous allons, à savoir qu'il y a une forte présence de l'État, mais qu'elle reste une affaire d'une association privée. Le gars qui tire les câbles, oui. Et qui tire les câbles sans être payé grand, et qui n'a que son taxi, mais qui tire les câbles et qui est content, il contribue autant que moi qui pense l'affaire, oui. N'est-ce pas, à la mise en place et au rayonnement d'Écran Noir. Tout à l'heure des victoires de la musique, eux, ils nous ont rendu fiers d'être Camerounais sous le pinceau d'Harold Ketch. De son vrai nom, André Baudelaire Eyoum, Tom Lyons est né le 11 mars 1957 à Dibomba. Dès l'âge de 12 ans, il chantait déjà admirablement bien. À Douala, il commence peu à peu à prester dans les soirées au scotch. Habité par une soif d'apprendre et par une envie de découvrir ce qui se passe ailleurs, il prend le chemin de l'aventure. Escale au Niger. Il preste dans les cabarets, se familiarise avec l'afrobeat. Il y passera 8 ans. Il multiplie des expériences au Nigeria, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Angleterre. En 1975, il enregistre son premier 45 tours et ils sont en France. Il enregistre Malaika à Lagos au Nigeria en 1978. Fortement imprégné de la culture anglo-saxonne, il sort Lost to Me en 1980 à Londres. Sa première production montre qu'il a été nourri à l'école du rhythm and blues et à l'école du jazz. De retour au Cameroun en 1981, il va faire ses classes aux côtés de Boalo Tine. Ensemble, ils vont réaliser de grandes choses. À son retour au Cameroun, Tom Lyons a commencé à travailler avec son ami d'enfance, Albert Breuck, qui avait mis sur pied un studio d'enregistrement musical. Tom Lyons est donc aussi un grand technicien de studio. Il a monté les albums et les maquettes de plusieurs artistes, parmi lesquels Tout Couleur, les Golden Sun, Maréchal Papillon et bien d'autres. C'est l'album Times, avec le titre Njanga Nilan, qui va véritablement le révéler et lui offrir une place de choix dans le cœur des Camerounais. En 1989, paraît Evolution avec le titre phare Onapona en France. Et en risque divine en 1992 alors que le pays est dans la tourmente des années de Brest. Installé à Paris, il en risque son idée avec le titre phare Amia. Une chanson qui raconte tous les problèmes conjugaux qu'il rencontre en ce moment-là. Le succès est de nouveau au rendez-vous. En 1998, paraît l'âge d'or. Celui qu'on surnommait l'Américain de Dibombari s'est fait l'étendard de la culture camerounaise. Il crée en 2006 les Journées camerounaises de la musique qui vont s'imposer dès les premières éditions comme étant l'événement culturel de l'année au Cameroun. Il a aussi fait des reprises aux côtés des plus grands. On se souvient de sa reprise du titre Singato de Pierre Demoussi aux côtés de Charlotte Mbam. Il a formé un duo réussi avec Bébé Manga sur le titre Namé. Comment oublier sa prestation unique aux côtés de Tchana Pierre sur le titre Thérèse.
Omion s'est marié à l'artiste Dinali le 16 décembre 2005. Fidèle à son objectif de valoriser la culture camerounaise à travers sa musique, il crée le 31 décembre 2001 à Douala une radio RTM, Real Time Music, spécialisée dans la musique. Tom Yons et son épouse s'apprêtaient à lancer pour le premier trimestre 2008 RTM TV, la chaîne de télévision du groupe. Tom Yons est mort, mais le projet a vu le jour sous le nom LTM TV, Love, Tom and Mart, en hommage à leur amour. Tom Yons est décédé le 25 décembre 2007 à Paris suite à une leucémie contre laquelle il aura farouchement lutté. Bon, maintenant, à présent, sur vous. Votre parcours, c'est également la participation à une série de courts-métrages Les Fables de La Fontaine, avec la participation d'AT et de TF1. Vous réalisez également La Poule aux yeux d'or. Il y a beaucoup de films que j'ai faits qui étaient les commandes, qu'on ne connaît peut-être pas beaucoup, mais qui étaient très alimentaires. Okay. Parce que ça faisait manger son homme. Et lorsque j'ai fait Le Grand Blanc de la Marine, je suis extrêmement sollicité. Okay. Par des grandes chaînes de télévision dans le monde. J'ai fait 9 mois en Angleterre, par exemple, pour travailler avec Channel 4. C'est là où je monte un film comme Birth of Democracy, qui montage de des images que je prenais sur les villes mortes au Cameroun d'abord. J'ai fait Sowai. Pendant que nous sommes ensemble, Youssou Ndour, Baba Wemba, Luki Doubé, Dakbadja et tout ça, on a un avion à nous. Hein. Et moi, j'ai une équipe avec un caméraman anglais et un player de son mais pour la télévision britannique. Et je fais le film Sowai. Ça, c'est des périodes où j'ai fait des grands films que j'aime beaucoup regarder. J'ai fait énormément de films qui ne sont pas des films des salles médiatisées comme cela, mais qui sont des grands films documentaires ou fiction documentaire. Quand j'ai fait La Reine Blanche pour France 2, qui est quand même un film qui a été considéré par France 2 comme l'un des 10 meilleurs films de toute l'histoire de l'envoyé spécial, n'est-ce pas? Ça fait un boucan. Ça m'a fait voyager, mais alors, La Reine Blanche m'a fait voyager, je ne sais pas si j'ai autant voyagé pour un film. Non, j'ai fait des films qui ont marché très fort. Ça ne peut pas attendre la récréation ou la sortie des cours? Ici, c'est moi qui juge des opportunités, pas les maîtres. En 1995, on a Le Maître des éléphants. Oui. Alors, Le Maître des éléphants, je suis d'abord producteur uniquement, exécutif. OK. Je suis producteur exécutif, mais au fur et à mesure, le réalisateur était quelqu'un qui écrivait son scénario au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça avançait. Dès le premier jour, il me donne un rôle qui sera comme un rôle de figurant. Mais à la fin, ça devient un rôle tellement majeur que je suis dans les 4 comédiens cités au générique du film. Oui, ça devient un rôle très important. C'était l'Africain enseignant un peu révolutionnaire, n'est-ce pas? Oui. Et donc, Le Maître des éléphants, j'ai fait la production. Ça, c'était, si on peut parler sur le plan financier, les grandes périodes de ma vie. Avec Dikong et Pipa, les deux au Cameroun qui avons été à la Faisan de l'Afrique, je peux dire à l'Afrique centrale d'ailleurs. Mm-hmm. Mais j'ai été aussi à un certain regard avec Sango Balo. Donc à Cannes, en sélection officielle, j'ai été avec ces deux films. En 2018, un nouveau film, Les Gouverneurs de la Rosée. Qui n'a jamais été fini. Pourquoi? Parce que l'optique, j'étais parti sur un film qui avait une partie très chère. Okay. N'est-ce pas? Aujourd'hui, peut-être avec tout le côté numérique qui s'est développé, on pourrait le faire, mais c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Mais moi, ça reste comme un de mes manques. Et beaucoup de réalisateurs africains, je m'en suis rendu compte brusquement, ont toujours un projet qui manque. Mais moi, il faut que je le réalise. Semen Ousmane est parti avec Samori qui lui a été toute sa vie. Il a rêvé de faire Samori, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Idrissa Ouédraogo est parti avec un projet qu'il voulait faire sur Boukari Koutou. Mais sur Boukari Koutou, un personnage. Mais il a fait quand même une version moins chère que ce qu'il voulait, parce qu'il voulait. Peut-être il va falloir que je fasse une version de Gouverneur Arrosé qui soit moins ce que je voudrais, mais bon, qu'il soit là. Le cinéma de Bassek parle de Bassek, parle du Cameroun, parle de l'Afrique, parle de ce que nous sommes. Je voulais te dire que je t'aime. La sémiologie de sa filmographie que j'ai dû faire dans mon travail de master. Il ne te laisse pas écraser par ce petit morpion. Je le materai, chef. J'ai bien aimé le grand blanc de Lambaréné. C'est pas un film sur la toute puissance du médecin blanc qui arrive chez les Noirs. Elle a mal quand elle pisse. Ah bah tu ajoutes chaud et t'as la maladie.
Tu couches avec des hommes malades? Le grand blanc de Lambaréné. Je voudrais que tu me confies le secret des beaux gars. C'est tout ce que je te demande. Mais c'est beaucoup. La beauté de l'image, l'originalité du scénario, la qualité d'écriture, la réalisation, je pense que c'est vraiment de très grands moments de cinéma. Ton ventre est frais et désaltérant comme nos pluies. Attends. À l'association Écran Noir, quand il passe, on dit le grand blanc de Lambaréné passé. Le silence de la forêt, ça a été... Une gifle quand même. Il y a aussi le silence de la forêt avec Éric Ebouanet que j'adore. C'est un monstre sacré de notre cinéma. C'est quelqu'un que nous rencontrons certainement dans la rue, à qui nous oublions souvent de faire de la génuflexion, mais qu'il mérite amplement. Perfectionniste. Il aime ce qui est bien. Il ne s'amuse pas avec son nom. Le Cameroun peut être fier d'avoir Bassek Bakobio. C'est un monument. Je suis content de les écouter. C'est une espèce de miroir, n'est-ce pas, qui me renvoie à ma vie. Est-ce qu'il y a un nouveau film en vue? J'ai un film en vue et dans le financement, je le dis souvent, est assez avancé depuis 2 ans. Mm-hmm. C'est le type de film, parce que moi, je viens d'une économie du cinéma qui a besoin de beaucoup d'argent pour faire des films. Aujourd'hui, je vois des jeunes qui font des films avec presque rien. Il m'a quand même parlé d'un film qu'il préparait depuis 2017. Jusqu'à aujourd'hui, moi-même, j'attends le film-là. Donc, je ne sais pas vraiment. Mais je pense qu'il va quand même faire, comme on dit, le film de la retraite. On est impatient de voir un autre film de M. Bassek. D'ici un an, j'aurai terminé le film sur le nationalisme camerounais. Un gros documentaire que j'ai fait depuis 2 ans, 3 ans. Mais les documentaires, c'est pas comme la fiction, ça ne fait peut-être pas beaucoup parler. Je ne vous ai pas appelé pour discuter. Ce qu'il faut pour notre développement, c'est une masse formée. À présent, nous allons pénétrer dans votre jardin secret. Ah bon? Eh oui, Bassek Bakobio, c'est étonnant, vous n'avez pas de prénom. Non, dans mon passeport, mon nom, c'est Bassek Emile. Hein. Mais très vite, je me suis rébellé contre ces noms calqués, là, pris dans soi-disant la Bible, là, encore que je ne sais pas si Emile est dans la Bible, et que je me suis dit Bassek fils de Kobio, Bassek pas Kobio. Vous êtes originaire d'où exactement? Je suis originaire de la Sanaa-Maritime, je suis de Ndome, de Niger précisément. Où vous venez au monde le 1er janvier 1957? Tout à fait. Vos parents? Mes parents sont des enseignants, très tôt engagés politiquement, et qui rapidement, pour être protégés, sont évacués, sortis du maquis Bassa. Ok. Pour se retrouver en Gaoundéré, c'est pour ça que j'ai grandi, j'ai né en Gaoundéré pratiquement. Vous avez des frères et des sœurs? J'aurais dû en avoir 6. Ok. C'est-à-dire que nous étions 7. Ok. Mais malheureusement pour moi, j'ai perdu 3. Parlez-nous de vos enfants. Ah, mes enfants, j'en ai 6. Ok. J'ai eu 3 avec Philomène. Mm-hmm. Et lorsque je me suis remis avec elle, après avoir été désordonné pendant un bon temps, je lui ai ramené 3 autres qu'elle adore et qui sont très aimés de leur grand frère. Alors, si on vous posait la question, c'est quoi vos qualités ou vos défauts? Je crois que mes qualités, c'est la persévérance. Mm-hmm. Mes qualités, c'est que je crois que par rapport à beaucoup d'autres, j'ai été travailleur. Les défauts, j'en ai beaucoup. Je pense pas beaucoup aux autres, je ne fais pas très attention, mais ça peut être un niveau. Mais aussi, quelque part, c'est quelque chose qu'on peut vous recommander. Si vous voulez foncer... Ah, mais c'est très critique, très élevé. C'est même un génie. Bassek est un grand gestionnaire d'hommes. C'est un fonceur. Il a une très bonne vision. Humble, ça ne se voit pas beaucoup parce qu'il a une forte personnalité. Monsieur Bassek, rien ne lui fait peur. Monsieur Bassek ne stresse pas. C'est un iconoclaste. C'est un monsieur qui lâche rien. C'est quelqu'un qui sait exactement ce qu'il veut, il sait là où il va. Lorsqu'il voit qu'il y a un jeune qui a des idées, s'il vous a découvert, il se saisit de vous, il ne vous lâche pas. Bassek a formé des jeunes. Je suis parmi les finalistes du Jeu pour un film. Avant même que je ne sorte de l'école, il m'a proposé le travail. Est-ce que tu es disponible pour aller à une formation au festival de Kolbga au Maroc? Il a un peu le frein en main. Hein? Il a un frein en main. On se comprend en langage camerounais et ne libère pas facilement les choses. Frère, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous faites un travail, il n'y a aucun travail au monde où on peut payer, même dans un film. Ou après 3 mois, on a payé tout le monde. Non, parce que j'attends des financements pour payer les gens. Mais je crois que si vous trouvez un Camerounais aujourd'hui, je le dis du bord de l'antenne et je veux que ça passe. Oui. Si vous trouvez un Camerounais qui vous dit que je lui dois de l'argent de plus de 6 mois, qui viennent. Alors lui aussi aurait pu être votre fils, il est dans cette émission, il s'agit de Kopo. À chaque édition, il va à la rencontre d'une personnalité qui nous parle de ses préférences culturelles. Chers téléspectateurs, voici les mapanes de Kopo. Oui, mais
Et chez toi, c'est où? En face, la Maison Blanche. Ah, frère, bonjour. Oui, bonjour. C'est pas le ministre. Bah, c'est moi. Oui. Hey, je fais un peu la marche dans le quartier. Tu as grand frère. Oui, je marche un peu au quartier. Tu marches un peu? Oui, je me promène. En fait, je m'excuse. J'aimerais te tutoyer. Moi, j'aime tutoyer les gens. En fait, je cherche une amie. En fait, c'est mon ex, faut pas dire à ma femme, pardon. Est-ce que moi je couvre les choses comme ça? Elle vient d'arriver, elle est. C'est la Golden Blanc là. Ah, ouais, c'est là. C'est là. Ouais, je peux vous montrer. Sinon, comment ça va? Ça va, ça va, on est là. Avant, le numéro 1, c'était Grégoire Ona, qui était le ministre free. Mais depuis que tu arrives aux affaires, tu es le ministre le plus free. Il mange où il veut, qui dit ce qu'il veut, tranquille. Et ça, plus ou moins, ça intéresse les gens. Donc moi, je suis très curieux quand même. Tes trois préférences musicales, c'est quoi, c'est qui? Je parlerai de Yannick Noah. Le titre, Si tu savais mon frère. Si tu savais mon frère, ce qu'ensemble veut dire là-bas. Le texte me plaît beaucoup. Ah bon? J'ose. Apparemment, on est juste à côté. Ouais, ouais, c'est ça. Bah, moi, j'ai envie de te piquer 10 à 15 minutes. Je sais pas si on peut s'asseoir quelque part dans son quartier. Je sais pas, alors, sommes là. Tu es vraiment frié, grand frère. Je ne suis pas né ministre. Et pourquoi moi, je me comporterais autrement? Deuxième titre. Vanister. Le Cameroun, c'est mon petit paradis. Vanister, camerounais et fier. C'est formidable. Le texte est vraiment patriotique et vraiment j'aime beaucoup ça. Je vous pense. Mais il faut aussi que vous me pensez. J'aime vraiment. D'abord, et puis sur des autres chansons, il aime improviser. Il improvise sur tout. Et donc, je pense que ce sont des musiciens de l'avenir. Ouais, non. Ouais. Pensez. Je vous aime. Il y a Mani Bella qui chante Pala Pala. Je suis embrouillé, je suis mal foutu. Je suis embrouillé, l'amour m'a traumatisé. C'est pas au cinéma? Moi, j'aime aller au cinéma. Oui. Au lieu de voir un film à la télé, seul dans ma maison, je préfère aller le voir au cinéma. Là où l'acteur va apparaître, on va dire affiche, affiche. Le chef bandit, tout ça. Tes trois films comme ça débutent en blanc, on va te faire plaisir. Samuel Lee Jackson, Le droit de tuer. C'est un film qui m'a tué. Là où il dit, oui, il méritait de mourir et même de mourir en enfer. Oui, il méritait de mourir. C'est-à-dire qu'il ne meurt même pas seulement sur cette... Même en enfer, il meurt même là-bas encore. Malcolm X, de Denzel Washington. Le blanc n'est pas en position d'accuser le noir de quoi que ce soit. C'est un film vraiment que j'ai regardé. Il y avait deux types d'esclaves. Ceux des champs et ceux de la maison. Fast and Furious. Dans les petits congossas du quartier, même je vous ai déjà aperçu une ou deux fois en week-end, c'est vous-même qui tenez le volant. Les chauffeurs sont aussi les parents des autres. Hein. C'est les parents des gens. Ils doivent se reposer. Vraiment, laisse-les aller avec leur famille quand même. Hein. Ouais. Ne me prends pas tout le temps comme si c'est quoi. Ouais. D'abord, moi, ça me manque de conduire. Au début, là, moi, je conduisais pour aller au ministère avant qu'on m'a dit que, mais quand même, dis donc, toi aussi, n'exagère pas. Je suis même plutôt un cascadeur. Et qu'est-ce que tu lis? Les gens vont croire que je fais la talakou. Ouais. C'est-à-dire que je mendie. Vous avez un livre formidable qui s'intitule « Pour le libéralisme communautaire ». Je savais. Non. Vraiment, je ne pense pas que vous le saviez. Il sachiez. Je l'ai pourquoi pas encore lu, mais je sais que c'est le livre du président. Bon, et c'est un tort. Parce que ce livre est le testament politique pour bien. Quelle chanson, par exemple, vous faites danser traditionnellement? Bon, je peux chanter une chanson en tchanké, une chanson de science politique. Oh. Comment conquérir le pouvoir, non? Onontchou, meg, otu emen, kwang kwang, ntue founen ou ndontchou, meg. En dansant comment? Je peux. En dansant, ouais, en dansant. Onontchou, meg, otu emen, kwang kwang, ntue founen ou ndontchou, meg. Onontchou, otu emen, kwang kwang, ntue founen ou ndontchou, meg. Bassek Bakobio, trois cinéastes camerounais que vous appréciez.
Il y a forcément dit qu'on ne répit pas. Quelqu'un qui n'a pas été très reconnu, mais à qui nous avons donné aux écrans noirs, l'écran d'honneur cette année, Alphonse Béni. Alphonse Béni. Qui a fait des films quand c'était difficile d'en faire et qui en a fait beaucoup. Hein. Il y a un jeune qui travaille beaucoup et qui fait un travail intéressant qui m'intéresse beaucoup, c'est Léa Mal. Les jeunes du côté anglophone. Une année, ils ont tout raflé aux écrans noirs. Alors, je vous donnerai des noms et vous me direz ce que vous pensez d'eux. Jean-Pierre Bokolo. Nos rapports ont toujours connu des hauts et des bas. Gérard Isomba. C'est un très grand comédien. Et comme tout grand comédien qui estime peut-être qu'il n'est pas reconnu à sa juste mesure, il est grognard en permanence. Lui, Paul Moutazier. Très bon footballeur. Il était des mimes, mais allez lui dire, il doit se souvenir de moi en fac, parce que lorsque j'étais meilleur buteur du championnat, il était en fac des lettres, il était en fac des droits. Donc c'est un ami. Mon Koulou Vando. C'est un ami personnel. Je l'ai amené au moins deux ou trois fois au FESPACO déjà. Hein. Oh. Et depuis là, nous avons un projet de film que nous avons commencé à écrire. C'est le vice-président des Écrans Noirs. Puis donc quoi? Depuis le temps où nous faisons du théâtre. Quand il jouait au théâtre au Centre culturel camerounais, je me souviens d'une pièce de théâtre qu'il avait joué à l'époque. Je ne sais pas s'il a joué encore aujourd'hui. Où un révolutionnaire montait sur une table et haranguait la foule, n'est-ce pas, contre le système en place. Et pour finir, Grégoire Ona. C'est quelqu'un que j'ai connu. Pour des raisons politiques d'abord, parce qu'on parlait d'un jeune, un jeune informaticien qui était dans l'informatique, qui investait dans l'informatique, à Douala, et qui très vite s'était engagé en faveur du RDPC. Au moment où ce n'était pas, on ne pouvait pas conseiller à quelqu'un d'entrer dans le RDPC, il était à Douala, et de le montrer, et qui a d'ailleurs dû être exilé à Yaoundé un moment. À votre avis, quel est le niveau du cinéma camerounais? Les films camerounais ne sont pas ce qu'on remarque. Lorsqu'on veut voir des films, il faut que nous travaillions un peu davantage. Quel avenir pour le cinéma camerounais? Travaillez, cultivez-vous. Si vous labourez la terre autant de fois qu'il le faut, le trésor qui est caché dedans, vous le trouverez, c'est sûr. Monsieur Bakourio, qu'est-ce que je peux encore vous souhaiter? Je vive encore longtemps. En santé, entouré des gens qui m'aiment, des enfants qui m'aiment et qui grandissent bien. Voilà, souhaiter qu'il y ait des jeunes qui prennent la relève des écrans noirs, qu'il y ait des jeunes qui managent, n'est-ce pas, l'ISCAC. Et puis, voilà, que chaque année qui passe, il y ait des nouveaux films, des beaux films. Voilà. Ça, vous me le souhaitez, vous m'aurez tout souhaité. J'ai des cadeaux pour vous. Alors, énormément de cadeaux. Le premier cadeau, vous le découvrez là. BBK. BBK. Un grand merci pour le chemin que nous avons fait ensemble. Un grand merci pour ce que tu m'as appris. Un grand merci. Et je te dis, là, ouvertement, c'est devant tout le peuple camerounais. J'attends toujours mon grand film à moi. Tenez bon. Respect. Le fait, pardon. Nous, on a besoin de voir des vedettes. Faites des grands noirs. Comme il y a 15 ans, 20 ans, un grand moment de fête. Un nouveau film, un dernier, avec Bassek comme réalisateur, c'est peut-être le message de la fin. Merci grand. J'ai beaucoup apprécié ce moment et contrairement à ce que vous pensez, je vous ai souvent regardé. J'ai regardé souvent vos émissions. Et au nom de toute l'équipe de production, je vous dis merci. Et à travers vous, je dis merci aussi à toute l'équipe. Alors nous allons nous lever pour mettre la clé sous le paillasson. Ah. Je vais vous offrir un autre cadeau. Ah bon? Vous pouvez le découvrir, je vous aide. Il a été fait avec le concours d'un jeune illustrateur, Akira Junior. Akira Junior. Oui. Votre fidélité est notre carburant. Au revoir et à l'édition prochaine. C'est fini. Oh, la mission est finie, ouais.